Eh, désolé si vous voyez un truc dans mon œil, j'ai un vaisseau qui a pété. Ça me saoule, je voulais que ça parte avant de fumer la vidéo. C'est dans l'œil gauche. Mais vas-y, on fera avec. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Ça date de ouf mon dernier unboxing et ça m'avait manqué. Tu connais, avec le confinement les livraisons c'est de plus en plus compliqué. Moi je voulais pas trop prendre de risques donc je commandais un minimum. Mais bon là on arrive à la fin donc je me suis dit allez je vais me faire plaisir, je vais prendre une petite paire. Et tout ça c'est à cause de Feed the Mall. C'est un compte sur Insta, ça partage les meilleurs plans niveau sneakers genre H24 7 jours sur 7, c'est génial. Au moment où je fais cette vidéo ils sont environ à 70k mais ils méritent tellement plus pour moi, ils se font un taf de malade. Donc si vous êtes des malades de sneakers comme moi et que surtout vous êtes pas faibles comme moi, je vous conseille d'aller les suivre parce que franchement ils donnent des envies de malade. C'est complètement de leur faute si j'ai acheté cette paire. Donc en fait c'est une collab avec Pharrell Williams. Elle était à 160 de base, sur Footlocker elle est descendue à 110 et le jour où ils ont partagé le bon plan, il y avait 25% en moins sur toutes les chaussures Adidas. Du coup je l'ai eu à 83€. Vous vous rendez compte de la réduction de malade? Ça fait environ 50% de réduction donc je suis grave refait. Elle est toute jaune comme j'adore, je suis trop pressé de voir à quoi elle ressemble. Donc là c'est parti pour le plan où je vais l'unboxer. Bon, alors elle est arrivée dans ce petit sachet là, Footlocker, vous connaissez. Je vais la retirer direct. La boîte est éclataxe. Heureusement que je comptais pas la garder. Alors en pointure, moi je fais du 45. Donc là j'ai pris 45 un tiers parce qu'Adidas ne respecte pas les normes de niveau pointure. Donc j'ai pris un truc au-dessus. J'espère que ça va être bien, pas comme les Yeezy. Donc voilà qu'est-ce qui est écrit sur la boîte. On a du boost. Hein. Ouais, c'est écrit boost. Je pense que ça va être un peu une sorte d'ultra boost. Voilà, Adidas, tu connais, tu connais. La boîte est vraiment pourrie. Hein. Ça se voit que le sachet a voyagé. Hein. Oulala. En fait, cette collab avec Pharrell Williams, apparemment, elle était sortie genre en 4 coloris. Et elle était sortie uniquement sur Footlocker et Adidas. Donc elle n'était pas sortie partout. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Hop. Ah là 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 là, la couleur. Oh, trop bon kiff. C'est bizarre, d'habitude, il y a toujours du sachet au-dessus de la paire. Mais là, ok, bon, c'est pas grave. Hein. La paire est vraiment cool. Ah j'adore. Ouais, ça se rapproche vraiment beaucoup de l'Ultra Boost. À ce niveau là vous voyez sur le devant on a de la mèche. C'est ultra fin, un tout petit peu, non on va pas dire transparent, mais tu vois c'est fin quoi, c'est léger. À l'arrière c'est plutôt rigide sauf à ce niveau là donc c'est de la mèche. C'est très solide, je connais pas du tout cette matière là que je touche, mais c'est ultra solide. Ouais en fait je pense que c'est une Ultra Boost toute jaune. J'adore, je sens qu'elle va être ultra confortable cette paire. Toute la surface là c'est de la mèche donc elle va être ultra légère, ultra molle. Semelle en caoutchouc, tu connais le boost doit être au centre de la paire. Oh, franchement j'ai hâte de l'essayer. Et elle est arrivée avec ses lacets un peu jaune vert fluo, c'est assez particulier. Et des lacets jaunes ont été ajoutés en plus. Donc c'est cool, je pense que je vais plus prendre les lacets jaunes. Bon pour la portée je vais laisser les lacets vert fluo, mais je pense que je vais plus porter les lacets jaunes dans la vie de tous les jours. Il y a HU juste ici et HU juste là. Et évidemment Adidas ici, tu connais. Boost à l'intérieur, paire très propre. En tout cas moi j'adore. Le coloris jaune, j'avais peur que ce soit un jaune pisse ou un jaune trop fluo tu vois. Mais c'est un jaune vraiment, c'est un jaune vraiment jaune quoi. C'est juste un jaune un peu plus clair, un peu plus jaune vif ici. Le même jaune partout, je pense que ça aurait peut-être un peu manqué d'originalité. En tout cas, j'adore, je suis trop pressé de la porter. Donc je vais directement passer au plan où je vous la montre on fit. Et je vais vous dire, évidemment, comme d'habitude, comment je me sens dedans. Bon alors, la paire est grave belle, grave légère comme je m'y attendais. Par contre, niveau sizing, j'aurais peut-être dû prendre une demi-pointure au-dessus. En fait, je crois que c'est comme pour les Yeezy, mais comme quand je suis allé sur Footlocker, dans tous les cas, il restait que deux tailles, donc 45 un tiers et une taille qui était bien inférieure. Je sais pas si c'est encore le cas. Bon, bref, je m'en fous. J'avais pas trop le choix, quoi. Mais la paire est cool et franchement, c'est largement supportable. Comme les Yeezy, en fait, c'est serré, mais c'est supportable. Mais si vous voulez prendre une paire, je vous conseille de prendre une paire comme si vous preniez une paire de Yeezy. C'est-à-dire, par exemple, si comme moi, vous faites du 45, la taille la plus proche, c'est 45 un tiers, prenez du 46. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ne prenez pas la taille directement au-dessus. Voilà. Après, tu sens bien le boost, ça ressemble vraiment à une Ultra Boost hein, à ce niveau-là. Très confortable, moi j'adore. Et la couleur, pff, oh, hein, c'est un délire. Je sens que je vais bien la rocker en été, elle est top. Moi j'adore, je sais pas ce que vous en pensez, mais je kiffe. Ah, Skipper, en plus, c'est pas une paire qui est sortie sur beaucoup de plateformes. Là, je suis allé sur Footlocker, elle est que dispo en ligne. Donc, je suis grave content d'avoir pu la choper. Je vais la rocker, en balle, elle est trop belle. Je crois qu'elle ira avec tout cette paire, j'adore. Seul petit bémol, la pointure, j'aurais dû prendre une demi-taille au-dessus. Mais sinon, évidemment, top. Voilà les gens, donc la vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. Je vais vous montrer d'autres petits plans comme d'habitude à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette paire, si vous l'avez aimé, si vous aimez la couleur, nanana. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tchuss.